Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose une excellente enquête, celle que signe notre invité aux éditions Point, le titre de son polar, Abattez les grands arbres. Bonjour Christophe Guillaumeau. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, vous êtes écrivain, bien sûr, on va en parler, romancier, mais vous êtes aussi policier au RCPJ de Toulouse. Les deux univers, on va justement évoquer tout ça à la faveur de ce livre. Avec Abattez les grands arbres, c'est pas votre dernier roman, c'est, on va dire que c'est l'avant-dernier. Mm-hmm. Et avec celui-ci, vous venez de décrocher un prix, le prix Polar Sud-Ouest du festival Lire en Poche de Gradignan qui se tient ce week-end et vous, où vous êtes. Donc allez-y, Lire en Poche, ça dure donc sur 2 jours tout ce week-end. Beaucoup d'auteurs à rencontrer, vous aurez tous les renseignements sur le site internet qui s'affichera en bas de votre écran, lireenpoche.fr. Avec tout le programme, c'est dense, surtout allez-y, n'hésitez pas. Et je reviens à vous et à ce livre, Christophe Guillaumeau. Avec Abattez les grands arbres, on sent tout de suite que c'est le policier qui écrit. Est-ce qu'on se dit machinalement, comme à chaque fois qu'on rencontre un policier qui écrit, parce que vous êtes nombreux, vous avez tout le quotidien, toute la matière sous les yeux, toute la journée finalement. Oui, oui, c'est sûr que je n'ai qu'à me baisser pour ramasser des idées. Ensuite, il est clair que je ne m'inspire jamais d'affaires que j'aurais pu traiter. Oui, il y a un devoir de réserve évident. Voilà, tout à fait. Mais par contre, je vais saupoudrer mes enquêtes de fiction par plein de petits trucs qui me sont arrivés. Alors par contre, ce qui est très drôle, c'est que dans ce livre, en introduction, vous prenez la peine de faire cette précision, de dire je vais égratigner ou ternir la réputation de certains services de la police, mais c'est pour le besoin du livre, c'est pour les besoins de la fiction. Et peut-être qu'un auteur classique qui n'est pas de la maison, qui ne serait pas un policier ou un gendarme, n'aurait peut-être pas pris cette précaution-là. Qu'est-ce qui vous a finalement motivé? Pourquoi vous vous êtes dit « je vais quand même le dire » Alors, c'était un grand questionnement. Je ne l'ai pas fait pour mes collègues, parce que eux savent comment ça se passe dans la police, et donc savent très bien que ce que je mets là, enfin, la mise en scène, notamment avec la brigade des stupes, est fictionnelle. Mais je l'ai mis plutôt pour les lectrices et pour les lecteurs, pour justement que, comme je donne beaucoup de réalisme à mes romans, je ne voudrais pas qu'ils s'imaginent qu'il n'y a que des pourris dans la police. Mais par contre, effectivement, au niveau fiction, c'est quand même plus intéressant d'avoir des gentils et des méchants. Oui, c'est comme la trame classique d'un polar, il faut bien des meurtriers, voilà. Des assassins, exactement. Des coupables et quelqu'un qui cherche la vérité au milieu de tout ça. Néanmoins, cette petite précision, ça vous dites que vous êtes quand même posé la question et est-ce que ça a été bien perçu? Est-ce que vous pensez que, par exemple, vos collègues se sont dit bah, « tiens, c'est plutôt une bonne idée d'avoir dit ça ». J'ai pas eu de retour là-dessus, mais j'ai pas eu de collègues qui sont venus se plaindre sur ce que j'avais écrit. Ça reste un roman. Ouais, parce que vous savez que bah, des grands flics qui sont tombés, il y en a. On n'a qu'à penser à l'affaire Michel Néré notamment. On sait aussi que dans la police, vous le disiez. Alors certes, il s'agit pas de noircir le tableau, mais comme partout, il y a aussi ces brebis galeuses, quoi. Oui, je crois que comme partout, c'est exactement la bonne expression, c'est-à-dire on n'aura jamais 100% de gens intègres. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai commencé la police dans les années 90, au début des années 90, et que j'ai assisté à une vraie mutation de notre institution. Il y a eu plein de choses qui sont rentrées, plein de règles qui ont été mises en place pour de déontologie, d'éthique, voilà, etc. Il y a eu effectivement un code de déontologie, il y a eu l'arrivée des avocats, des médecins, plein de petites règles qui se sont ajoutées et qui font qu'il y a maintenant des pare-feux pour éviter... Des garde-fous. Voilà, tout à fait. Alors, j'en parle parce que je ferai le pitch tout à l'heure de votre livre, mais dans votre livre, le personnage principal qui est Kanak, c'est son surnom, qui est une force de la nature, qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui est gardien de la paix, il est aux prises avec une équipe, justement, qui ne respecte pas les règles. Il est au cœur aussi des magouilles policières. C'est une des trames de ce livre. Oui, en fait, ce que je voulais montrer, c'est surtout... moi, je suis admiratif des enquêteurs policiers qui n'ont pas seulement l'enquête comme problème. C'est-à-dire qu'il y a aussi des problèmes administratifs, hiérarchiques. C'est pour ça que je le mets gardien de la paix. Les problèmes matériels. Et puis aussi des problèmes on ne choisit pas sa brigade, on ne choisit pas son partenaire. Son affectation, voilà. ou ses collègues de travail, finalement. Et en fait, ce que j'aime,
c'est ces gens qui, malgré tout, malgré toutes ces embûches, avancent pour arriver à interpeller un criminel. Alors, pour préciser, ceux qui nous regardent ne connaissent peut-être pas la hiérarchie, les grades dans la police, gardien de la paix, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus bas niveau ? Oui, oui, oui. Donc là, on n'a pas affaire à quelqu'un qui a des libertés, il a une hiérarchie au-dessus de lui, il ne peut pas agir à sa guise. Oui, alors lui, il peut. Mais parce qu'il... Son gabarit fait que... Voilà, c'est ça, c'est la force. Et puis parce que j'ai pris un personnage qui vient d'ailleurs et qui a ce regard extérieur et qui vient en plus avec ses propres coutumes et qui vient remettre de l'ordre chez nous, dans une société qui se croit moderne, qui est en même temps un peu décadente. Et c'est quelqu'un qui garde ses coutumes et qui vient remettre de l'ordre chez nous. Alors, l'intrigue de l'histoire de ce polar abattait les grands arbres, ce fameux Kanak, donc le personnage central, cette force de la nature, et qui met, vous le racontez bien, des claques amicales quand il s'agit de parfois faire un peu d'explication, tombe dans un appartement à la faveur d'une perquisition chez un dealer sur une famille massacrée à la machette. Et il reconnaît à la nature des blessures, justement, l'utilisation d'une machette. Alors, j'irai pas plus loin pour le laisser à chacun le plaisir de naviguer dans votre livre. Mais en tout cas, voilà, ce point de départ est là. On est sur un fait divers, sordide. Et ce qui était très intéressant avec ça, c'est que vous avez une manière de raconter les scènes de meurtre, les scènes où on découvre les cadavres. Là, en l'occurrence, c'est extrêmement violent, puisqu'on parle de... Il y a un homme qui est démembré, il n'a plus que le tronc, la tête est encore attachée, mais il lui manque les bras et les jambes, il s'est vidé de son sang. Et on sent une forme de distance, on sent aussi le regard du policier, peut-être qu'un écrivain qui n'est pas de la maison l'aurait écrit différemment. Quelle attention vous portez à ce genre de détails qui fondent finalement les livres policiers ? C'est compliqué à dire, mais surtout, moi, je me mets à la place du policier qui rentrerait dans cet appartement, en fait. Donc, forcément, un policier va avoir un regard de professionnel, sachant que la découverte d'un crime, les premières heures sont très importantes et les constatations sur une scène criminelle sont très importantes. Donc, il n'y a pas, à ce moment-là, on n'a pas le droit de se permettre de l'empathie, d'avoir des sentiments qui viennent perturber ce travail. Parce qu'à la fin, il faudra rendre des comptes notamment à la famille des victimes. C'est pas le moment où on peut être sentimental, où on peut avoir de la tristesse. Là, on doit être sérieux, on doit être professionnel et agir. Et pourtant, quand vous racontez cette scène, le Kanak, votre personnage phare, malgré toute sa force, accuse le choc. La nuit suivante, il va prendre plusieurs verres de whisky, il va faire un remède de très irlandais pour passer passer le choc. Malgré l'expérience, le choc est toujours réel, même chez des policiers chevronnés, tombés sur des scènes de crime d'une telle intensité. Ça fait partie aussi de la réalité. Je pense que personne ne se réjouit d'être face à une victime, face à un cadavre. Donc, à l'allure de votre expérience, on peut se blinder naturellement, on peut être aguerri, mais rarement insensible. Je pense qu'on peut se blinder. Après, les images restent en tête. Voilà. On n'efface pas les images. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité, bien entendu. Après, on peut se détacher de la vie de la victime, de se faire un mur, en fait, par rapport à ce qui s'est passé. Mais sinon, je sais pas quoi vous dire. Faudrait peut-être. Mais est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a marqué dans votre carrière de policier ? Vous avez aussi rencontré, vous avez découvert des cadavres, oui, etc. Oui, tout à fait. Est-ce que ces images-là restent encore ? Est-ce qu'on vit avec ? Est-ce que c'est aussi, bien sûr, les plus terribles, on vit avec. C'est rangé, je ne sais pas, dans un coin de la tête, comme un album qu'on n'a pas toujours envie de réouvrir. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'écris. Hein. C'est peut-être aussi pour faire comme un exorciser, hein, voilà. Exorciser tout ça. Et quand on s'engage, quand vous voulez être policier, vous débutez votre carrière, c'est quelque chose qu'on appréhende ou on apprend sur le tas, finalement ? Bon, oui, on apprend sur le tas. On ne se rend pas compte au départ. Quand on est jeune, qu'on a 20 ans, on rêve d'être comme dans les séries policières. Mais après, on ne se rend pas compte de ce à quoi on peut s'attendre, en fait. Parce que la réalité est toujours plus dure que la fiction. Et d'ailleurs, dans mon métier d'auteur, je dois faire très attention à ça.
Parce que quand vous racontez justement cette scène-là, vous faites aussi un parallèle avec les victimes d'accidents de la route, notamment, ou de gens qui sont défenestrés, etc. Où on en parle régulièrement dans les médias, chacun peut suivre des faits divers, etc., prendre des développements. Mais ce que vous racontez, c'est une réalité qui échappe au commun des mortels, mais qui touche de près les policiers qui découvrent, les secouristes, les pompiers, les légistes, etc. Et on voit, vous racontez avec une certaine distance, ces corps en bouillie, en miettes, etc., écrasés. C'est encore une fois, est-ce que c'est un exercice douloureux que de le coucher sur le papier, ce genre de situation? Ou au contraire, là, vous pouvez y aller, c'est dur à analyser quand j'écris, je réfléchis pas forcément à ça. Il faudrait peut-être que je fasse 10 séances d'analyse pour voir si j'ai un problème. Mais non, je peux pas dire ça. Ça vient comme. C'est l'inspiration, vraiment, quoi. Je veux vraiment faire un enchaînement comme si moi j'étais. En train de découvrir cette sur l'enquête et à quoi ça me ferait penser et comment je vais gérer la chose. Quels sont Christophe Guillaume, quelles sont vos références en matière de polar? Parce que moi, quand je lis cette scène, j'aime bien cette scène là de découverte avec ce corps démembré. C'est sordide, mais ça m'a fait penser à un polar que j'aime beaucoup de Don Winslow, Cartel, sur et qui est ultra violent, qui est sur les cartels mexicains, etc. Où alors là, on découpe de page en page, on tronçonne à tout va. Est-ce que quelles sont vos références? Vous êtes plutôt sur une littérature américaine, plutôt sur des auteurs français J'aime bien la littérature américaine. Don Winslow est une vraie référence, même si moi, je suis pas aussi... j'ai pas autant de violence dans mes romans, mais ce qui se comprend, le Mexique n'a rien à voir avec la France. Ensuite, j'aime beaucoup Michael Connelly, notamment pour l'ensemble de son œuvre, en fait, parce que lorsque vous lisez son 20e roman, vous avez l'impression qu'il l'a déjà prévu avant d'avoir écrit... Avec son héros Harry Bosch. Voilà, avant d'avoir écrit le premier. Ouais. Et j'aime aussi ses balades dans Los Angeles, tout en enquêtant. Et puis après, en auteur français, moi, je dois beaucoup à Bernard Minier, on s'est connus au SRPJ, puisque lui venait chercher des informations pour ses romans. Et moi, je lui passais des informations de police, et lui m'a donné beaucoup de conseils en écriture. Ah, donc, il y a une vraie complicité, entre vous. Donc, à la fois des auteurs américains, à la fois des auteurs français, Bernard Minier, c'est ça qui vient un peu aussi forger ce profil littéraire que vous développez au fur et à mesure. Je pense, et puis après, c'est à chacun de trouver son originalité. Moi, je sais que j'aime vraiment travailler les personnages, écrire les vies des seconds rôles, des troisièmes rôles, et puis vraiment je suis à la recherche de toutes ces petites anecdotes qui font vrai, qui rendent le récit le plus crédible possible. J'avais envie de vous poser cette question. Est-ce que vos collègues redoutent un peu, en vous parlant le matin, de se retrouver un jour dans un prochain bouquin? Non, mais j'ai averti tout le monde qu'il faut faire attention. Là, le contrat est clair avec eux. Ils ne sont pas à l'abri de se retrouver sous un autre nom. Oui, mais ça peut être des petites choses. Personne ne se reconnaîtra dans mes personnages. Mais je peux choper un tic chez l'un, une phobie chez l'autre, et puis créer un personnage avec. Et tout ça, faire la trame d'un roman. Je rappelle qu'avec Abattez les grands arbres, vous venez de gagner le prix Polar Sud-Ouest de Lire en Poche. C'est pas votre premier prix, parce que pour votre premier roman Chasse à l'homme, vous avez obtenu le prestigieux prix du 36 Quai des Orfèvres. Est-ce qu'on est encore sensible aux récompenses? Parce que là, c'est un nouveau prix qui arrive. Je suis très sensible à cette récompense, parce que c'est une récompense qui est décernée par les lectrices et les lecteurs. Et ça reste quand même le plus important. La critique, là, les gens ont lu, ont voté, aimé ou pas. Mais en donc tout cas, là, c'est un vote, et donc ça me ravit d'avoir été choisi par le public. Ce premier roman, Chasse à l'homme, qui a été aussitôt distingué, tout de suite, c'est forcément un coup de projecteur, mais ça y est, ça donne confiance pour la suite. On se dit qu'on peut se lancer. Pas du tout.
Ça met plus de pression alors. Non, en fait, moi, ça m'est tombé dessus et je ne connaissais rien au monde de l'édition ni à la littérature. Mais il a fallu faire passer ce manuscrit quand même. Et oui, j'ai tenté, mais je ne pensais pas obtenir le prix. Et en fait, il a fallu que je reparte à zéro et que je comprenne que l'écriture, ce n'était pas une distraction, mais que c'était un véritable métier. Et donc, j'ai appris ce métier. Et je suis reparti de zéro. J'ai rencontré des libraires, des auteurs, des éditeurs. Et donc, vous avez fait une remise en cause à l'issue de ce Totalement, premier succès, ouais, finalement. totalement. Et j'ai mis 6 ans avant de sortir Abattez les grands arbres. C'était quoi? C'était un problème d'inspiration? C'est Pas du tout. l'envie de prendre vraiment tout le temps nécessaire à construire une nouvelle intrigue? Oui, puis voilà, le besoin de connaître le monde dans lequel j'allais évoluer. Est-ce que... Pardon. Allez-y, allez-y, Et oui. pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Voilà. Parce que vous n'avez pas renoncé à votre métier, c'est pas parce qu'il y a eu un premier Non. succès, vous êtes toujours au SRPJ de Toulouse. Tout à fait. Dans quelle branche êtes-vous exactement? Je Quelle suis dans filière? la police des jeux. Je m'occupe de contrôler les casinos, les hippodromes, et tout ça, c'est un côté administratif. Et puis, de l'autre côté, il y a un pan judiciaire avec la fermeture des cercles clandestins, les tricheurs, le blanchiment d'argent. Est-ce que c'est un univers qui vient infuser la suite d'Abattez les grands Tout à arbres? fait. Donc, parce que, on va le dire, comme on l'a dit en début d'émission, ce livre, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Le dernier, c'est La chance des perdants, La chance du La chance perdant. du perdant, ou qui est la suite d'Abattez les grands arbres. Et là, du coup, on retrouve un peu l'univers des jeux. Tout à fait. La chance du perdant, en fait, c'est traite du jeu, des paris, de la folie des paris et de l'addiction au jeu. Un vrai problème pour le coup, un vrai problème de société, Tout ça. à fait, sachant que on parle beaucoup des addictions à la cigarette, à l'alcool, aux drogues, et très peu en fait de l'addiction au jeu. Dans mon service, on reçoit à peu près chaque année 150 personnes qui viennent volontairement s'exclure des salles de jeu. Donc c'est un vrai problème et on rencontre vraiment des situations délicates. Sur quel jeu? Parce que vous avez parlé des hippodromes, on peut imaginer que ce sont forcément les courses de chevaux, mais il y a aussi autre chose? Les jeux en ligne? Les jeux en ligne et puis tout ce qui peut être joué dans les casinos. Ah oui, à ce moment-là. Donc c'est une vraie, pour le coup, c'est quelque chose qui monte en puissance, cette addiction au jeu que vous constatez? Non, ça reste plutôt constant, mais il n'y a pas d'augmentation ni de baisse. Et surtout, ça touche toutes les couches de la population, les deux sexes, tous les âges. Tous les Et milieux. en fait, tant que vous n'êtes pas assis devant une machine à sous, vous ne pouvez pas savoir si vous allez être hypnotisé ou pas. C'est un vrai problème. Donc ça, c'est à retrouver dans La chance du perdant, en partie. Je voudrais qu'on je profite de votre présence sur notre plateau pour aborder quelques sujets d'actualité. Vous êtes policier, vous venez de nous le rappeler, au CRPJ de Toulouse. Au moment où on enregistre cette émission, Christophe Guillaumeau, il n'y a toujours pas de ministre de l'Intérieur. Vous êtes une police sans ministre, sans patron. Vous n'êtes pas syndicaliste dans la police. Peut-être que vous êtes pas, vous ne pourrez peut-être pas nous en dire grand-chose, mais en tout cas, comment vous vivez cette situation? Bon, c'est une situation transitoire. Le Premier ministre Assure l'intérim. assure l'intérim, donc je pense qu'on n'est pas orphelin. Et puis voilà. Et puis après, tous les services Ça continue, quoi. continuent. Donc c'est, pour l'instant, c'est pas un problème. Donc quand il n'y a pas de ministre, la police continue de faire Non, son ne me travail. faites pas dire ça. C'est toujours mieux quand il y a un chef, bien entendu. Mais bon, voilà, c'est une période transitoire. Il faut pas s'affoler. Alors, je voudrais qu'on revienne justement, je reste avec vous sur les questions d'actualité, parce que quand Gérard Collomb, le désormais ex-ministre de l'Intérieur, a quitté l'Intérieur quand il a fait sa passation de pouvoir avec Édouard Philippe, passation de pouvoir glaciale, il a aussi dressé un tableau extrêmement sombre de la situation des quartiers les plus difficiles, les quartiers où la reconquête républicaine doit être faite, a-t-il expliqué. Et il dit aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. Est-ce que c'est un constat que vous partagez à la lueur de votre expérience, de votre quotidien, Christophe Guillaumeau? Bon, c'est pas trop à moi de vous en parler. Malheureusement, j'ai quand même un droit de réserve là-dessus. Moi, je pense que chaque génération a ses problèmes. Effectivement, il y a des quartiers qui sont difficiles. Ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout l'argent qui est engendré par les trafics de drogue.
Lorsqu'un gamin va gagner, je ne sais pas, 500 euros par jour, il va être très difficile après de le réinsérer en lui apprenant un travail où il va gagner 1100 euros par mois. Et ça, c'est un vrai problème. Après, je pense 500 que. euros par jour, ça commence à faire une sacrée somme. Oui, tout à Et fait. ça, c'est du trafic de drogue, Oui, bien cannabis sûr. essentiellement. De tout, mais après, voilà. Donc, je pense que effectivement, il y a un vrai devoir de revenir dans ces quartiers, et je pense pas forcément qu'avec la force. Il y a Voilà. la police de sécurité du quotidien qui est en train d'être mise en Oui, place, mais déployée. C'est une réponse? ben, j'espère que ça en sera une. Après, moi, j'ai 27 ans de carrière. C'est très difficile, je pense, de trouver une réponse. Oui, il n'y a pas de réponse toute Il n'y a faite. pas de réponse toute faite. Ça Donc, dépasse, et on ça dépasse de verra. loin les compétences de la police, de toute Tout façon. à fait, tout Et à fait. la mission de la police, c'est une mission de sécurité aussi. Donc, de fait, oui. C'est beaucoup plus large. Et effectivement, il faut pas croire que la police va tout régler. Ça, c'est sûr. Vous avez 27 ans de carrière, vous venez de le rappeler, Christophe Guillaumeau. Est-ce que c'est encore un métier où il y a des vocations? Est-ce qu'il y a encore des candidats à devenir policier? Quand vous avez démarré il y a 27 ans, quel était votre regard déjà pour commencer? Votre regard, qu'est-ce qui vous a motivé pour devenir Moi, policier? je rêvais d'être Starkey Ah oui. Hutch. Bon. Donc voilà, j'ai Donc c'est réussi à l'influence de la l'être. télé là. Voilà, il y avait une influence Ouais. de la télé, mais c'est Vous pour n'avez ça pas que eu de voiture, rassurez-moi, vous n'avez pas eu de voiture rouge avec des bandes blanches Non, non, Non. non, j'aurais rêvé, mais non, non, non. Mais ensuite, non, il y a un regain de demandeurs pour venir dans la police, et notamment depuis les attentats. Je pense qu'il y a toute une génération, une jeunesse, qui a envie de travailler pour son pays. Ça, c'était manifeste. Les attentats ont créé ce nouveau regard sur, en tout cas, Tout les à métiers fait. de la police au sens large. Oui. Oui, ça, vous l'avez constaté Oui, clairement. bah c'est des chiffres, hein, il n'y a même pas Ouais. besoin de le voir dans un commissariat. Donc, non, c'est bien. Moi, je trouve qu'on a envie qu'il y ait une jeunesse qui a envie d'assurer la sécurité de son pays. C'est une bonne chose. Quel est le parcours justement d'un jeune qui voudrait débuter dans la police, faire sa carrière dedans? On commence comment? Comme Kanak, gardien de la paix, et on grimpe les Oui, échelons c'est ou ça. ça Il y peut arriver a, beaucoup plus vite bah, tout dépend le niveau de diplôme qu'on possède. Mais voilà, on peut débuter tout en bas de l'échelle, comme on peut commencer directement par commissaire si on a les diplômes qui conviennent. Et après, c'est les affectations classiques d'un commissariat à l'autre, d'un département, d'une région à l'autre. Exactement. Vous êtes passé par où, Christophe Moi, j'ai Guillaumeau? commencé sur Pigalle. Je suis resté 4-5 ans. À quel Arabe vous étiez dans quel service? Un commissariat de quartier. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un an réseau ferré parisien pour tout ce qui était pickpocket. Donc sécurité dans les métros. Voilà. Et après, je suis parti à Grenoble. On s'occupait des cambriolages et des braquages. Et après, j'ai fait Châteauroux et Toulouse. Et là, vous êtes toujours en poste à Toulouse, C'est ça. où vous avez encore un peu de temps pour écrire. Alors justement, quand on est policier avec un métier qui est prenant, on trouve le temps d'écrire quand? La nuit, tôt le C'est matin? ça, c'est tôt le matin, je réduis mes nuits, mais ça reste un plaisir quand même. Mais effectivement, je me lève entre 4 et 5 heures du matin et j'essaye d'écrire 2 heures avant de me préparer pour partir au travail. Et on arrive à avoir l'esprit clair une fois qu'on lâche son ordinateur, qu'on lâche ses fictions et qu'on revient au bureau ou sur le terrain? C'est une vraie gymnastique, voilà. C'est une vraie gymnastique, mais c'est une vraie envie aussi. Et puis surtout, c'est un équilibre dans ma vie d'avoir ces deux métiers qui se jouxtent, Cohabitent qui finalement. cohabitent, qui sont dépendants l'un de l'autre. Et voilà, et je suis très heureux pour l'instant d'arriver encore À faire les deux. à faire les deux. Parce que vous avez finalement le temps s'est accéléré et s'il a fallu 6 ans entre le premier et le deuxième, il a fallu que 2 ans entre le deuxième et le troisième. On a l'impression que ça y est, vous êtes lancé, vous avez pris vos marques, vous savez où vous voulez aller. Oui, je sais où je veux aller. Et puis surtout, mon éditeur Liana Levy, comme mon éditeur de poche chez Point, ont vraiment envie que le Kanak vive longtemps et qu'il y ait toute une série là-dessus. Donc, moi, ça me fait plaisir. Je me suis inspiré d'un ami.
Donc, tant que je me lasse pas, je vais essayer de continuer. Vous allez continuer. Mais écoutez, merci en tout cas Christophe Guillemot d'être venu sur notre plateau nous parler de ce livre, Abattez les grands arbres. Je rappelle que vous êtes au salon de Gradignan, Lire en poche, c'est tout ce week-end. Allez-y, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs à rencontrer. Je vous en donne quelques-uns, Philippe Djian, Déon Meyer, Virginie Grimaldi, il y en a d'autres encore, et bien entendu Christophe Guillemot. Le titre de son livre, Abattez les grands arbres, et c'est le Grand Prix Polar Sud-Ouest, Lire en poche. Voilà, écoutez, cette émission est désormais terminée. Merci de nous avoir Merci. parlé donc du Kanak qu'on retrouvera qu'on retrouve déjà dans le dernier et qu'on retrouvera finalement après. Oui, je suis déjà sur la troisième aventure. C'est la troisième aventure. Mais écoutez, vous reviendrez nous en parler. Merci Christophe Merci. Guillemot. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.